to Mr. Samuel Eto'o. You're going to do your best to promote the values of tolerance in sport and continue to fight racism and all other challenges of Europe in future. Please. Mesdames et messieurs, j'avais prévu un discours que mes collaborateurs avaient préparé pour moi. Mais après avoir écouté les uns et les autres, j'ai opté plutôt de vous parler de mon expérience, ma petite expérience. I had prepared a speech with the help of my team, but again, kind of after listening to all the speeches, I would rather talk about my personal experience, ladies and gentlemen. Je suis né et j'ai grandi dans un petit pays qui est le Cameroun, le plus beau pays au monde pour moi. I was born and I kind of lived the early years of my life in what is for me the most beautiful country in the world, Cameroon. Qui en ce moment traverse un moment difficile parce que certaines personnes qui ont une autre idée, qui appartiennent à une autre religion, n'acceptent pas, ne respectent pas ce que d'autres peuvent penser ou vouloir. It's because my country currently is going through difficult times because some people in this country they have beliefs and think that you can't respect and can't support and help people that have different beliefs. Alors, c'est aussi une forme de racisme. And that is also kind of a form of racism. Et de cette tribune, j'apporte mon soutien à notre armée qui combat aux côtés d'autres armées de la sous-région. And here, standing in front of you, I give my support to the army of Cameroon, held by armies of the neighboring countries. Et surtout des populations qui se sont déplacées parce que la guerre ne prévient pas. La guerre ne vous envoie pas un courrier pour vous dire j'arrive. And specifically also for all the population that has to move and kind of had to go run away from their places because the war never warns and it's always a difficult time. Et au vu de tout ça, ma fondation, nous avons décidé de lancer une action pour permettre à ces populations qui ont perdu des maisons, à ces parents qui ont perdu des enfants, à ces enfants qui ont perdu des parents, de pouvoir avoir le sourire. Nous allons lancer une action où j'espère que vous allez nous aider. Je ne vous demanderai pas des millions, mais je souhaiterais que le maximum de personnes puissent participer pour montrer que nous sommes tous ensemble et nous allons tous lutter contre ce fléau. And here, I want to mention the fact that my foundation here is going to help all these people that have lost their houses, the parents that have lost the children that lost their parents, try to help them for the foundations. Of course, I'll ask for donations. I'm not asking for millions, but I'm asking for small gestures. And the idea is to help build something new, and thanks to you. Et pour revenir sur mon expérience, je suis parti du Cameroun, j'avais 15 ans.
Et dans mes bagages, j'avais mes godasses, dans mes chaussures de football, et j'avais mon cœur rempli d'amour et de respect. And when I left Cameroon, I was 15 years old, and the only luggage I had with me was my pair of boots and a big heart full of love and respect. Et j'avais l'intention de parcourir et surtout de conquérir le monde, de prouver au monde entier qu'un petit garçon parti de cette Afrique pouvait devenir grand. C'était mon rêve. And I had one dream, it was to conquer the world, and I wanted to prove that a young boy coming from Africa was able to succeed and achieve a lot and conquer the world. Et je suis arrivé ce mois d'octobre à Paris, c'est comme si c'était hier, il faisait terriblement froid. Si, pour ceux qui connaissent l'Afrique, ma grand-mère disait souvent, quand il fait 28 degrés, qu'il fait froid. Mais en Afrique, il ne fait jamais froid. Il pleut toujours. I remember that day of October when I arrived in Paris. It seems it was yesterday, and it was really cold. And for the ones who know Africa, this is a kind of a big difference. And as my grandmother used to say, when it's 28 degrees Celsius, it's cold. But in Africa, it's never cold. It's only rainy. Et tout était beau pour moi. Tout était beau jusqu'à ce que je pose mes valises dans l'un des plus grands clubs au monde, qui est le Real Madrid, et que cette belle aventure professionnelle commence. And everything seems so beautiful until the day I landed in one of the biggest clubs in the world, Real Madrid, where everything seemed so beautiful. Alors, j'ai parcouru le monde, j'ai parcouru les stades, j'ai joué avec les plus grands joueurs, certains sont là, Deco, Eden Hazard, Kolo Touré, Yaya Touré, Didier Drogba, Lionel Messi, Ronaldinho, tous les joueurs que vous pouvez vous imaginer. J'ai partagé ce moment de bonheur, de respect, d'amour avec eux, parce que le football, ce que les gens n'ont pas compris, au-delà du résultat, il y a le respect, il y a surtout l'amour, parce que nous partageons un moment de bonheur ensemble. I've traveled the world, I've played with some of the greatest players, the names that were mentioned just previously, and this is something that is very important, people must remember. Football is also about respect, about sharing experience with the others, and this is something very important I have learned. Et ce que j'avais oublié, parce que j'étais encore très jeune, c'est que pendant que nous grandissons et nous pensons passer un bon moment entre nous et nos supporters, c'est qu'à côté, il y a des gens qui ont une autre vision de la vie, celle de la division, celle de la haine. And so when I grew up, I thought that everything was like this, kind of a life of friendship and respect and sharing, and with the fans. But I also discovered, but unfortunately, there are people that not do things exactly the same way, that kind of have hatred, and because we'll do kind of because they think differently. Alors, ce maudit jour est enfin arrivé. Ce maudit jour que vous avez pu voir en image lors de ce beau match, parce que c'était un beau match, Saragossa face à Barcelone. Deco était à mes côtés ces jours. Il est dans la salle. C'était la deuxième période. Déjà, pendant la première période, il y avait quelques cris. Nous nous sommes dit, ce sont des cris isolés. Et pour vous dire, j'avais peur de dénoncer parce que je ne savais pas qui était qui et quelle devait être la réaction des autres. And unfortunately, that terrible day happened. You saw the footage on the screen. It was that game in Saragossa, and I remember very well. Even in the first half, there was kind of a bit of abuse, but they were isolated. I didn't know what to do. I was a bit terrified of the idea of condemning them. And then the second half arrived. Alors, j'ai pas compris comment quelqu'un pouvait délibérément choisir entre un sentiment naturel et quelque chose qu'on apprend. L'amour, c'est un sentiment naturel, et la haine, on apprend à détester quelqu'un. Il est plus facile d'aimer que de haïr. Et je crois vraiment, je ne comprenais pas. Moi, jeune, parti d'Afrique, avec beaucoup d'espoir, avec un cœur rempli d'amour, de respect, j'arrivais pour ma première fois dans un beau stade avec plein de grands joueurs. Et je découvrais vraiment qu'il y avait des gens qui pouvaient choisir la haine à l'amour.
And that day I was with a great team, some great players, among them Deco, who was the last tonight. And it's true that that day I discovered that there were some people that kind of that hated. And when I did something that I didn't understand, because you're born with love, and you kind of you have to learn the hatred. And this is something that kind of I really discovered that day. And it's true that it's something that really puzzled me that day. Alors j'ai décidé de crier le plus fort possible, le plus haut possible pour être entendu. Mes coéquipiers qui étaient à côté de moi m'ont soutenu. L'arbitre qui était là ce jour m'a soutenu. Mes encadreurs qui étaient sur le banc de touche m'ont soutenu. Alors je me suis dit, ça c'est le chemin à emprunter. And that day I decided to stand up and shout. And my teammates supported me, my friend was around supported me, the management supported me, and this is where I understood that the best way, the only path, is to stand up and shout. Et depuis ce jour, je ne me suis plus jamais arrêté. À chaque fois que j'ai été victime, que ce soit dans un stade ou en dehors du stade, j'ai dénoncé ça. Parce que moi, je suis un privilégié. Le bon Dieu m'a tout donné et il m'a donné la meilleure équipe du monde. J'ai une femme métisse, une belle-mère blanche, mes parents noirs, mes enfants métisses, ma première fille métisse aux yeux bleus, on dirait une blanche. Vous comprenez que dans ma famille, Dieu a voulu que je puisse réunir tout ce dont on peut souhaiter avoir et ce que d'autres combattent. And since that day, I've decided that I will stand up and kind of fight against all the abuses, either in the stadium or outside the stadium. And this is something kind of that is very important for me, because in my family we have different colors, and they're kind of my family, my mother-in-law, my fathers, and this is something that is very important. We need to really fight, and this is something I really stand for. Alors, illustre invité, après cette soirée, j'aimerais, si on vous pose une question, ou si vos enfants vous demandent, mais Samuel était avec vous, qu'est-ce qu'on a retenu de cette soirée? J'aimerais juste qu'on dise l'amour et le respect. Ce sont les choses. Quand vous aimez même votre femme, vous la respectez parce que vous l'aimez. Mais en amitié, vous pouvez dire, je n'aime pas, mais je respecte. Alors, il faut respecter. Même ceux qui sont à côté de nous qui ne le font pas, nous pouvons les pousser. And today, if you have just to remember one thing, and if you kind of you have to talk about this evening for your children, to your friends, I would just like to you to remember these two important words, love and respect, because when you love, you respect, and even when you don't love, when you have friendship, it's all about respect, and this is something you really need to work on a daily basis. Et pour ceux qui n'aiment pas suivre, ceux qui veulent toujours rester en arrière, il faut vraiment continuer à se battre pour demander à nos politiciens de durcir les lois, permettre, parce que la petite histoire aussi, c'est que la punition que certains supporters avaient eue pendant ce jour, c'était de 300 euros. Alors, si on vous donne juste 300 euros comme amende, vous allez recommencer demain. Mais s'il y a une peine de prison ou il y a quelque chose de majeur, vous n'allez pas continuer parce que vous allez vous dire, c'est vraiment mauvais ce que vous avez fait. And that day, I remember that these fans were punished by a fine of 300 euros. That's not the kind of penalty that will stop them doing it again. So this is why it's important to have also the politicians enter that fight and kind of strengthen the laws and make them the punishments for these much tougher. So like that, it don't start again. Illustre invité, je ne veux pas monopoliser la parole. Je tenais à vous dire merci, à remercier ceux qui nous ont invités ce soir. Et si jamais vous avez besoin de moi pour parler dans les écoles, un peu partout, je suis toujours disponible, je trouve le temps. Aujourd'hui, je suis un peu vieux, j'ai le temps pour faire autre chose que le football. Je peux être partout, si vous le souhaitez. Merci. Thank you. Samuel. Fine.
as they carry on down here with all the pictures. As eloquent up here, Samuel, as he has been, as dangerous to defenders and defences over the last 15 years, now playing in Italy with Sampdoria in Serie A, deserved recipient of the European Medal of Tolerance. Love and respect, the message from Samuel. I'm going to let you into a little secret before I leave you to enjoy your dinner. Tomorrow, it's this man's birthday. Happy birthday, buon anniversario, Dema. He understood that okay. Enjoy your dinner, ladies and gentlemen. It's been a great pleasure for me to be just a little part of these proceedings. Thank you very much indeed, and many congratulations. Felicitazioni, Samuel.